J'ai ma petite collection. J'ai fait les premières 6. Et bistouri. Bonjour les amis. Le travail feuille sur feuille continue. Et je suis qu'à la 6e feuille. Je me prépare à faire la 7e. Bon, je crois que le choix est fait. Tout ça, c'est en cours. Ah, la voilà. Alors, vous connaissez le principe. Ce que ça donne, et je la laisserai sécher. C'est extra. Je suis très très content. Regardez comme c'est beau. Et voilà, on se met au travail. Vous savez, une feuille parfaite, c'est une feuille qui n'a pas du tout des yeux. Il faut toujours la porter avec deux mains. Là, elle a un défaut, donc c'est pas bon. Et oui les amis, là, c'est la 8e, la 9e. Bon, j'ai fini 9. Alors les amis, on travaille? Parce que cette fois-ci, c'est pas à la bonne hauteur. C'est à l'hauteur un peu ingrate. Alors c'est vrai que par terre, il y a certaines cultures qui aiment bien travailler. Eh bien, nous les occidentaux, on a un peu de mal. Et on a mal réellement partout. Je veux pas vous mentir, eh oui. Travailler parfois, c'est la souffrance. Mais il ne faut pas oublier aussi d'où vient le mot travailler. Il vient bien d'un outil de torture. Tripalium, torture, travail. Bon, mais nous on est dans l'art. On aime bien travailler des choses. On y va. Voilà les amis. On utilise comme d'habitude notre système de découpe.
les cotons et c'est le papier qui résiste le plus dans le temps. Le papier gravure, c'est un papier coton, donc c'est pas un papier cellulose. Alors quand je travaille sur les petits papiers A4, c'est un papier cellulose, donc c'est un papier qui durcit, qui devient sec. Mais ce papier-là, il est quelque part éternel. Bon, si vous aimez bien mes vidéos, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, cliquez sur les pouces bleus.